bien, yo tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Poké MMO. Aujourd'hui, on se retrouve pour tout simplement pour le dernier badge. Voilà, c'est tout. Le dernier badge contre Giovanni dans la petite et charmante ville de Jadiel, donc qu'on a déjà visité au début de notre aventure. Pardon. Donc voilà un peu ce qu'il nous reste à faire. Et comme vous pouvez le voir, enfin, avant de commencer cette arène, j'ai quelques petites choses à vous dire. Alors, j'ai eu quelques retours avec le petit tutoriel pour installer Poké MMO. Et j'ai déjà des premières questions sur l'installation de la région de Owen et tout. Donc, je le dis maintenant parce que j'ai déjà dit via message et il y en a qui l'ont peut-être pas vu. Je ferai ce tuto lorsque j'aurai fini ce playthrough avec cette première partie sur Kanto, je sais pas, comme vous voulez, un fuck. Et voilà, je préfère pas aller trop vite au niveau des installations, je préfère aller dans l'ordre. Mais en tout cas, voilà, nouvel objectif qui arrive sur Poké MMO. Moi qui pensais avoir terminé le playthrough, et non. Je vais devoir continuer avec la région de Owen, donc on va voir un peu ce que ça donne. Peut-être... une vie à la Sacha, ça peut être intéressant. Deuxième chose et dernière chose, parce que voilà, comme vous pouvez le voir, les Pokémon ont légèrement changé. Alors, j'ai quand même un peu farmé pour avoir une bonne équipe. Donc là, c'est en cours. Donc là, on a déjà le Dracaufeu niveau 66. On a un petit Noctalie niveau 63. Voilà, j'ai eu un Noctalie et non un Mentalie, mais bon, c'est pas grave, les deux me plaisent énormément. Au lieu de prendre Carabaf, j'ai décidé de reprendre Tentacool qu'on avait chopé lorsqu'il était shiny. Je l'ai fait évoluer en Tentacruel, donc je vais même le mettre en premier parce qu'il va être très très important pour ce donjon là normalement, si je me trompe pas. C'est pour les Pokémon de type Terre, ouais. Grolem est encore avec nous, donc là, voilà, il a évolué, donc on peut attendre pour l'instant. J'ai réussi à choper un petit Abra. Voilà, vu qu'on n'a pas de Mentali, je pense qu'un Alakazam fera un bon remplacement. Et à la fin, un petit Pokémon de type combat, donc on évoluera en Maconier. Donc, je vise la cinquantaine pour les 3 en bas, même les 4, mis à part Noctalie et Dracaufeu, d'accord, ça fait 4. À peu près la cinquantaine. Dracaufeu sera un niveau 70-75, je pense, pour la Ligue, et Noctalie dans ces eaux-là aussi. Voilà, alors, bien sûr, j'ai mis tout ça, donc je peux pas quitter, non, je suis obligé de faire... Hop, hop, voilà. Allez. Donc voilà, aujourd'hui, petite arène, rien de bien méchant, je pense, bien au contraire, on doit faire le tour, que c'est vraiment sympathique. Alors, on va enfin avancer. Enfin, le joli Tentacruel shiny qui est juste derrière nous, j'adore. Let's go! Ok. Type sol, bon, Tentacruel, il a le multi-exp sur lui, je pense qu'on va bien s'éclater avec. Ah, l'objectif, c'est vraiment... Alors il a... En sachant quand même que Giovanni est un Rhinocorne niveau 50, je pense que ça serait vraiment très agréable que notre Tentacruel prenne un certain niveau. Alors, Arbok, super. Pourquoi il m'a tauré? Mais ils ont dit type sol. Allez. Ah bah c'est parfait, il joue avant. J'espère qu'il va te chouir. Super. Très bien, très bien. Ça commence bien. Bon, je pense que c'est vrai que peut-être le Tentank serait plus efficace qu'un Tentacruel basique, mais l'idée me plaît quand même derrière. Le fait d'avoir quand même un personnage, un Pokémon shiny, ça me plaît énormément. Donc voilà, j'ai pas trop grand chose à dire là-dessus. Je trouve... Le Tentacruel, c'est aussi un Pokémon que j'affectionne. Je sais pas, je le trouve vraiment sympathique. Alors, lui, il est... Oui. J'espère que toi, t'as des Pokémon de type sol. Allez.
Donc comme vous pouvez vous l'imaginer, on va se faire tous les tous les adversaires avant. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait normal. L'objectif quand même, c'est que mon petit Tentacruel voilà. Ok. Puisse vraiment avoir un bon petit niveau pour le boss. Ah super, c'était confus. Allez, vas-y, fais-moi plaisir. Voilà, bien. On va finir avec peut-être un acide, allez. J'utilise jamais, j'attends Bomberk ou autre, qui sont vraiment beaucoup plus puissants. Et c'est gagné. Et bah dis donc, ça c'est plutôt pas mal. Alors, ok, vraiment bien. Tac, tac, tac. Hello. Voilà, super. Alors j'aimerais vraiment voir des Pokémon de type roche, de type sol. Ça pourrait nous aider à... Bah, à faire un petit up de niveau pour Tentacruel. Bon bah voilà, il suffit de demander, voilà. Donc là, je pense que ça va être en sens unique pour ce combat. Un Sablero niveau 37 face à Tentacruel qui utilise un Surf et qui est niveau 41 et qui est shiny, je pense que voilà, il y a un bel avantage. Nidoking, je n'ai pas peur. En plus, je le touche pas, donc je n'ai pas à être empoisonné. Voilà, non, niveau 39, ça monte, mais je pense pas que ça puisse... Ah, hey, il réussit quand même, ouch. On va faire une petite bulle d'eau, hein, pour finir. Je pense que ça pourrait être une bonne chose. Voilà. On finit doucement. Et le Tentacruel qui passe donc niveau 42. Bon, bah c'est bien. C'est vraiment bien. Rhinocorn, voilà. Donc un Pokémon qui nous attend bah, à la fin de cette arène. Sauf qu'il sera niveau 50. Donc un coup critique, bon il passe pas, il passera jamais, ça c'est sûr. Tentacruel. Ah. Tentacruel contre Sablero, encore une fois un Sablero. Bon, un petit surf. J'ai pas trop à m'inquiéter pour l'instant. C'est plutôt calme. Voilà. Nidorino. Bon, on va faire un petit bulldo contre un Nidorino. Voir un peu les dégâts. Pour l'instant, je connais approximativement les dégâts de surf. Ok, un petit peu de Vibraqua, mais Bulldo, c'est vrai que ça reste quand même très intéressant de tuer un Pokémon en deux fois, voilà. Alors, il a plus que ça en vie, alors je vais voir un peu, on va voir un peu ce qui nous attend pour le prochain combat. Ok, alors attends, on va juste partir par là, eh oh. Ouais. Ah ok, je peux pas du tout... Ok, bon, c'est pas grave. C'est un peu la voie de retour, bon. Allez, let's go. Hello. C'est toi qui as les types sol. Allez, envoie les types sol. Sablero. Ah, niveau 38. Ça monte un peu de niveau. Allez, surf. Il me reste 6 surfs à faire. Je pense que ça va être l'un des derniers matchs de Tentacruel. À part si on va faire une pause, on a 8 minutes. J'aimerais quand même bien avancer. En sachant qu'on va retourner au centre Pokémon avant le boss. Enfin, avant Giovanni, ce qui est tout à fait normal, je pense. Faut quand même que nos Pokémon soient à 100% de leur capacité. Alors. Super, niveau 43, ça monte très 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 vite. Alors là, je suis vraiment super content de ce boulot. Peut-être un bulldo. Du Gravalanche et Roche Sol, dégâts x4, je pense que ça passe, voilà, ça passe même facilement. Alors, Gravalanche, on va faire la même, essayer d'économiser les surfs. C'est bien, c'est de l'XP gagné, ça, c'est de l'XP donné et tout, aucun souci, voilà. Et un Onix, je pense qu'un Bulldo devrait aussi faire l'affaire. En espérant que je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas, ça va. Ah, il est même moins puissant que le Gravalanche. Bon. Ok, donc, allez, à ton tour. Alors, toi, si t'as aussi un Pokémon de type sol, ça m'arrangerait. Je vois bien te battre avec un Osatueur. Ça pourrait être bien, hein, je sais pas. Alors, un Machoc. On va déjà faire un surf pour voir un peu. Ah, Match Chopper, pourquoi pas. Surf. Ah, si j'enlève moins de la moitié. Ah, coup critique, peut-être. Oh, bah, hey. C'est vraiment parfait. Excusez-moi, mais là, c'est vraiment parfait.
Il lui reste le Machoke et je pense pas que le Machoke va venir à bout du Shiny Tentacruel. Allez, go. Kukua, aïe 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 aïe. Ouh. J'ai vraiment eu peur. Alors. Très bien, Tentacruel qui va se diriger vers un niveau 44 à la fin du prochain combat, normalement. Ça dépend le nombre de Pokémon. En tout cas, ça sera donc son dernier combat, à part s'il y a des types sols. Un Rhinocorne, niveau 43. Allez, l'avant-dernier surf. Ça passe. Oh là 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 là. Allez, allez, allez. Non, il reste deux joueurs, il passera donc niveau 44. C'est faisable, c'est faisable. Je pense qu'on peut largement venir à bout de Giovanni comme ça. Un nosatueur. Ah, ah, le bulldoze qui... Ah, j'ai peur là. Ah ouais, bah oui. Ah bah oui. On va envoyer Noctalie. On va utiliser un... On va devoir utiliser un rappel. J'ai pas envie de... Même si un rappel c'est cher un peu, bah je vais quand même l'utiliser parce que j'ai pas envie que... Que mon petit Pokémon loupe de l'expérience. Donc un vive attaque de Noctalie. Alors, je pense que Noctalie va aller terminer. Voilà, il est passé au 44. Aïe, Nidoqueen. Nidoqueen. Ballon, moi. Dracaufeu. Ah, Dracaufeu qui peut passer niveau 67. Bah, autant en profiter, hein, écoutez. C'est pas comme s'il se prend beaucoup de dégâts face aux attaques de type combat. Donc j'ai aussi changé un petit truc sur Dracaufeu, c'est que le cruel je l'ai viré pour mettre la capacité spéciale vol. Je l'ai toujours joué comme ça avec Dracaufeu. Je sais pas pourquoi mais je préfère vraiment le voir avec ce genre de capacité de type bah, de type vol que... Oula, ouf. Ça, je sais pas, ça me rassure un peu plus le fait de le savoir en l'air, intouchable pendant un tour. Puis c'est pas une petite technique qui... Moi, je trouve que c'est une technique qui m'intéresse énormément. Ah, je peux plus. On va faire un vibra-quoi. Peut-être qu'on va réussir à le rendre... Allez, peut-être... Allez. Ah, confus, voilà. Allez. Allez. Oh, non, il va pas le tuer, hein. Non. Oh, bon, c'est pas grave. On va envoyer Dracaufeu. Ah, c'est... Elle est tranche. Voilà, niveau 67, Dracaufeu. Un petit Nidorina pour finir. Et bah écoutez, un petit lance-flamme. Voilà. Bon, du coup, Tentacool ne recevra plus d'XP. Pour un match, alors ce qu'on va faire c'est que pour un match, ouais, juste pour un match, on va le mettre sur Abra. Alors attendez, le Abra qui est un Pokémon que j'aime pas spécialement, mais l'Alakazam je le trouve vraiment super cool. Alors, Dracaufeu qui joue. Bon, je pense qu'il va envoyer un type combat. Ouais, donc autant voir vol un peu. Hein. Allez. Oh mon dieu. Alors, ça c'est fait. Bon, la braque qui va bien sûr passer des niveaux. Hein. C'est quand même un peu plus facile. On va faire un lance-flamme, je pense. Normalement, ça passe tranquille. J'ai pas trop à m'inquiéter.
Voilà, Braga qui passe niveau 15. Qui va commencer à prendre un peu plus d'ampleur dans la team. Actuellement, je crois que c'est le Pokémon le plus BL. Ah, 2, 15, 16 quand même. Bon, ça va. Et voilà, nous avons donc terminé avec ça. Ok, ok. Allez, ah, je vais mettre ton Renflex, mon gars. On retourne au centre Pokémon pour soigner tout le monde. Normal. Allez, on se dépêche. Alors. Bonjour, voilà, voilà. Voilà, au revoir. Donc, Tentacruel est de retour. Je dois le passer niveau 50. Donc, qu'est-ce que je. Ouais, allez. Voilà. Donc, on va aller se battre contre Giovanni. Oh, je suis confiant, même si les deux Pokémon que j'ai montés niveau 60 n'ont pas forcément énormément d'effet face à ce type de Pokémon. J'ai totalement zappé que je vais passer par en bas. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Après, je mise beaucoup sur, Tentacruel. Allez, salut Giovanni. Voilà, nanana, Team Rocket, une fois encore nos chemins se croisent, parfait, pas de quartier, moi Giovanni, le champion d'arène de Jadiel, te défie. Normalement c'est moi qui dois venir te défier, donc on va se calmer tout de suite mon gars. Allez, c'est parti contre Giovanni. Qui adopte donc les Pokémon de type... Ah, Rhinocorn. Ah ouais, un Rhinocorn niveau 45. Allez, surf. Et il joue avant, c'est incroyable quand même quoi. Tentacruel a une certaine vitesse. Bon après c'est quand même des types sol en phase, donc c'est un peu normal je pense. Oh oui c'est bon ça. Ah le niveau 50 voilà. Le Pokémon le plus HL de sa team. Et il joue encore avant le Rhinocorn. Bon bah écoutez c'est juste parfait. Dégâts x4. Et ça passe. Ouh il va se faire la team. Il va se faire la team. Là il est chaud. Il est chaud le petit Tentacruel. Allez. Ah, apprendre l'attaque surf à un Pokémon, je trouve ça juste dément. Écoutez, regardez. Ah, dommage. Ouh. Apprendre une attaque séisme aussi, c'est dément à un Pokémon. Hein. Bon, écoutez, on a encore Nidoking, Nidoking et Trio Picard. On va... Ah bah oui, l'hyper potion. On va jouer avec Dracofeu. Je pense que 3 lance-flammes devraient suffire. Mais en tout cas, Tentacruel a rempli son job. Je pense que c'est voilà, c'est ce que je voulais, c'est exactement ce qui était attendu. Hop, allez. Voilà. Trio Picker. Triple lance-flamme, ça passe crème, et on gagne. Et bien heureusement que je les ai up, ces Pokémon-là. Alors, ah ouais... Not pro, yes, ok. Non, normalement c'est 5000, c'est pas 4000. Séisme, bah tiens, hé, Golem. Ça par contre c'est bon ça. Alors, non, on va aller chercher, bah déjà, cette séisme, voilà. On va la prendre à Golem, à la place d'explosion que je déteste énormément. Utiliser. Aile d'acier, saisie, l'arsenal, aéropiqué, tomber roche. Ouais, non. Arme de choc, lance-soleil, giga sensible. Bon, je pense que c'est bon. Donc voilà, on a réussi à battre Giovanni. Eh oui, c'est pas compliqué. Eh bien, écoutez, on va soigner les Pokémon. Voilà. T'as quoi de dire ça à l'heure, Giovanni? Ouais. Donc voilà, voilà, voilà. On va aller soigner les Pokémon et puis on va aller juste devant l'entrée de la route Victoire car c'est là que bah qu'on va devoir aller. On va devoir y aller. Ça y est, c'est ça y est. L'heure est venue. Alors, t'es niveau 44. Alors ça, je vais te le prendre. On va le mettre sur Abra. Parce que j'ai vraiment envie qu'il évolue, ce petit Abra.
En tout cas, voilà, je vais devant la route victoire, mais je pense que prochainement, pardon, je pense qu'on continue à l'XP. Alors, non. Non, ça me sert à rien, ça. Hop. Allez, c'est parti. Je vais envoyer donc. Je vais donc envoyer. Hop. Mon petit Dracaufeu. Et c'est parti. Ah oui, on doit se battre contre. Chazir! Oui. J'avais totalement zappé ça. Ah. Heureusement que j'ai soigné mes Pokémon. J'avais totalement oublié, donc. Bon bah du coup voilà, Roucarnage. Lance-flamme, hein. Ah niveau 47, hein. C'est un peu chaud. Hein. Alors, ok. Ah bah le Abra va pouvoir monter de niveau. Bah oui. Rhinocorne. On va faire du lance-flamme encore. Moi je reste confiant avec le lance-flamme quand même. On sait jamais, hein. C'est pas très efficace, mais ça le tue quand même. Eh oui. Que voulez-vous? Je suis trop fort. Quand on farme un peu, c'est. Oh, Tortank. On va faire Rafale Feu, non? Non, il veut pas. Pistolet à eau. Ok, le mec a un Pokémon niveau 53, il a encore un pistolet à eau. Rafale Feu! Oh merde, la moitié de sa vie, quel con. Et pourquoi j'attaque avec une. Mais je suis bête, moi. Ah bah oui. Quoi, coup critique? Vol. Ouh, Eve, copieur, t'as mon Alakazam. Voilà. Niveau 19, Abra. Eh, Abra, il est level up, hein, bientôt. Hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Allez, vas-y. Plus vite que ça. Ouh. Ton Tortank qui fait que dalle. Il est tout sage. Voilà, puni. Le Abra niveau 20. Ouh. Un Canino. Niveau 45, un Canino. T'as toujours pas de pierre? T'es nul en fait. Oh, c'est moi qui fais tranche. Voilà. Bon, il reste plus beaucoup de points de vie à Dracaufeu. Abra passe niveau 21, pourquoi pas? Et on finit avec un 9. Alors, je sais pas sur le site à côté, ils ont dit Léviator. Bon, là, c'est le 9. Bon, bah, on va retourner au centre Pokémon, ça, c'est cool. Bon, bah, voilà, on l'a battu. C'était encore plus facile que Giovanni, quand même. Yeah! Hey, ça avance! J'ai oublié son nom, quel con! Un cadavre, voilà. Bon, bah, vous savez quoi? On va chercher la Kazam prochainement, je pense. Allez, voilà. Maintenant, le but, c'est quand même de le monter niveau 50. Ah, bah, ils sont tous soignés. Ah, bah, c'est parfait, j'ai totalement pas vu ça. En tout cas, Jasvir a réussi à nous tuer, non? Si, non, je sais pas. Ouais, c'est pas grave. Allez, c'est parti pour la route victoire. Et bah écoutez, on va se laisser juste là. On va quand même aller. Hello. C'est parti. Ah bah bien sûr, et des tentacules, je parie. Oh! Un petit coucou. Je l'ai pas en plus. Ouh! Oh mais non, mais il est trop. Je suis trop HL, bon c'est pas grave. Tan tan.
Tan 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 tan. Il y a quoi comme Pokémon ici? Ça sent les Pokémon trop belles en fait. Nosferalto? Ah, niveau 41. C'est bête qu'il n'y ait pas de dresseur. On y va en marchant, hein, toujours avec la classe. Ah non, c'est par là. Ah ouais, peut-être un truc là. Et l'œil! Y a quoi comme Pokémon ici? On va y mettre une touffe d'herbe ici comme ça. Encore un Oswalto, non? Ah, eh ben. Ah bah en plus c'est pour un Oswalto, c'est super. Ah, niveau 40 en plus. Allez, lance flamme. Bon, on va faire Kadabra, non? Voilà, niveau 22. Kadabra qui a Rafale Psy, ça commence bien déjà en tout cas. Hein. Allez, marchand. Et bien voilà! C'est quoi là-bas, attendez? Eh bien écoutez, c'est sur là-dessus que je vous souhaite un très bon jeu à toutes et à tous. Et puis à la prochaine. Ah, à la prochaine. Allez, bye.